Qu'est-ce que vous faites dans mon appart? Bienvenue dans l'appart de mes 20 ans. L'appart que j'habitais quand j'étais à New York, j'avais 20 ans. Bon, pour dire la vérité, mon appart, il était 4 fois moins grand que celui-là quand même. Et puis, il n'y avait pas une si jolie vue. Et en fait, c'était pas mon appart. Mais on y a vécu une si jolie histoire d'amour. Il n'y a que nous qui ne le savions pas. Mais ça rappelle des souvenirs, ça, non? Premier album? Il y en a qui se souviennent du premier album? Je me souviens de ce petit appart, moi aussi. Sur le mur. Il ne reste vraiment pas grand-chose qu'une adresse. Et puis ces quelques pauses dans cet appart, on s'est aimé. Maintenant qu'il faut que je parte, je commence à m'en rappeler. C'est l'amour qui vivait sur Broadway, vu sur coup, $200 par mois. C'est l'amour. C'est l'amour. Mais non, on ne savait pas. Dans cet appart, on s'est aimé. Maintenant qu'il faut que je parte, je commence à m'en rappeler. Dans cet appart, j'ai tellement voyagé que toutes les cartes du monde n'y pourront rien changer. J'ai passé ma jeunesse avec une fille dans un deux pièces. Si aujourd'hui c'est fini, il y a des apparts ailleurs qui ici, si aujourd'hui c'est fini. Il y a des apparts ailleurs qui ici.